double kill. Le double kill. N'importe quoi, madame la juge. On l'a vu. On l'a vu, c'est possible de la battre. Ah, c'était un double kill. Il était magnifique, ce double kill. Elle était magnifique. Il était beau, ce double kill. Un seul coup à mettre dans ses dents. Dans sa bouche. En plus, j'ai vu un beau 500 d'XP. Oh, le 19. Le dégât 19 qui est passé. Génial. Ok, ils sont complètement... Oh, ça... Ah, ça a bugué. Ah, le jeu a bugué. Le jeu a bugué. Le jeu a complètement bugué. Ça, par contre, ça va m'énerver. Si je bug... Voilà, le jeu est plus bugué. Gulan est mort. Elle est morte. Il y a son invocation. Wait, elle devrait disparaître. Ça c'est pas cool. Ah, je crois que le double kill a fait planter le jeu, l'a mis à genoux. A mis à genoux le jeu. Ouais, je pense que le jeu là il est complètement pété. J'ai pété le jeu, ça y est. Attends, je vais essayer de l'attaquer, elle. Ouais, le jeu est pété. Le jeu est complètement pété. Le jeu est complètement pété, là. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Je pense que je devrais... Ouais, il est pété. Le jeu est complètement pété, là. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Ça me fait chier. Du coup, est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais. Je batte ça. Ah, ça me fait chier, ça me fait chier, putain. Je vais péter. Ce que je vais faire... wait. Je vais essayer de trouver une solution. Chercher une partie. Alors attendez, quelle est la sauvegarde la plus proche? Ah putain, ça me fait chier. Je vais essayer les strats. Je tiens pas celui-là. Je vais essayer la strat de sortir de la zone et de re-rentrer pour la recharger. On va voir si ça marche. Si ça marche, ce serait vraiment bien parce que si... si je suis obligé de me retaper tout le combat, ça va chier. En plus, j'ai sûr qu'il y avait un drop. Je suis sûr que j'ai même pas eu mon l'XP. Non, je sais même pas si je l'ai eu. Ah, le jeu qui est pété à ce moment-là, par contre, là, ça me ferait vraiment rager. Allez, on remonte. C'est pire que la momie, on va dire. Allez. On monte, on laisse charger la sauvegarde, on re-rentre.
Plus qu'à espérer. D'ailleurs, la momie. La momie, j'ai l'impression que je l'ai pas réveillée. Enfin, qu'elle ne bouge pas. On y retourne. On y croit. On y croit. Alors attention, moment de vérité. Le moment de vérité. A priori, y a personne. Et merde. C'est la baise. C'est l'énorme baise là. C'est l'énorme baise. Bon bah je vais devoir lui le tuer. Allez, je laisse le combat. Ça m'énerve. Après, si c'est voulu par le jeu et que ça ne fait pas porter l'histoire, tant mieux. Mais moi, ça m'énerverait quand même. Ah, vous savez quoi ? Rien que pour vous, je prends le risque de me retaper tout le combat. Donc je retrouverai à la fin du combat quand ça voudra. Je vous ai déjà tapé tout le combat, je vais pas vous le retaper depuis le début. Allez, à tout de suite dans plusieurs heures. Elle est morte. Putain, bug pas. Bug pas. Elle bug pas. Ça y est. Ça y est. Regardez ça. Ah, c'est pas trop tôt. Ah, c'est pas trop tôt. J'ai passé je sais pas combien de temps dessus. 490 points d'XP. Et le drop. C'était ça qui buguait. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on a drop. Ouh, cimetière plus 1. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Une obédite spéciale. Ok. Un cœur de Yuanti. Alors, ce cœur, celui du Gudam Yuanti, Manuel, il ressemble au serpent. Et l'une des quatre créatures amenées à Palibert afin de créer un remède magique pour mettre à terme blablabla. Je prends 4000 un jour. Ça y est. Ça y est. Enfin. Après tant d'heures de désespoir, de sauvegarde qui ne marchait pas. Et j'en passe. J'ai fini tout ça comme quête. Ah ouais. Non, il me reste une quête. C'est quoi ça, Gurne Nécessitue? C'était une Yuanti, blablabla. Son cœur doit être apporté à Damaris. Ok, ça c'est bon. Corps de temps en fraise de Gemani. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est finir la quête là. Le grand arbre, on fera ça un autre jour. Donc tout ce qui est masse de pierre lune. Temple de tir et le grand arbre, on fera ça avant d'attaquer la dernière partie. Oh, j'ai gagné 200 points d'XP. Le dernier quartier du premier chapitre. Donc, ou alors dans les commentaires, votez si vous voulez que je continue l'histoire principale, ou bien que je fasse soit une des trois quêtes sur une session entière. Le vol de Brodeur, les temples de tir, quoi que ça va jouer en fonction, donc non, ça va sortir en même temps que la quête principale, donc soit le grand arbre, soit les masques de pierre lune, soit la quête principale.
Pour le moment, je vais aller rendre la quête là. Je vais même casser. Putain, c'est pas trop tôt. J'en avais marre. Oh, si vous saviez la galère que j'ai passée pour ce niveau. Mon Dieu. Ah, ça mérite la save state. Ah, vas-y. Ah, j'en ai marre. Oh là là. Je crois que j'ai passé au moins une bonne grosse demi-heure dessus. Et alors, je vous ai tout laissé. Tout le combat, j'ai bien fait parce qu'il faut que vous voyez l'expérience de jeu que ça fait. De toute façon, tous les combats qu'on a déjà fait, je les laisserai. Comme ça, vous voyez que c'est un gros jeu avec beaucoup de strats. Enfin, de la stratégie, stratégie mes fesses, hein, la safe strat, la door strat, etc. Les techniques de lâche. Quoique, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est la momie. Je vais la réessayer très très vite. Et puis si je me fais encore incuber une maladie dégueulasse, et ben voilà, j'aurais cherché. Donc là, je me trompe pas, je vais faire plusieurs saves. D'autant que, oula, j'ai fait n'importe quoi. D'autant qu'a priori, je vois pas. Oui, alors vous étonnez pas si les trois sont utilisés, c'était pour bref. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que j'aurais fait glitcher le jeu encore une fois? J'ai fait glitcher le monstre. J'ai cassé une partie du jeu, je ne trouve pas la momie. Momie qui a disparu. Bah tant mieux. Alors je ne sais pas ce que j'ai raté, j'ai peut-être raté un peu de full XP, mais bon. Voilà. Avec la dance strat, la safe strat, je peux m'en passer. Et là, vous voyez, il fait jour. Et puis, j'ai utilisé une clé. Non. Bon, bah, si quelqu'un sait, ou j'irai voir sur un forum très très vite comment on ouvre la porte. Oui, je triche un petit peu. Eh ben, je l'ouvrirai. Est-ce que je peux sortir par la grande porte? Ça, ce serait bien. Ce serait même génial, oui. Putain, ça, c'est bien. Un raccourci. Il y avait un message sur la mort permanente. Par contre, là, il y avait l'académie de pas d'hiver. Je ne peux pas y retourner. Enfin, j'espère qu'un jour, je pourrai retourner. Putain, en fait, j'aurais plein de choses à aller voir. Du coup, pour la prochaine session, plein de choses optionnelles à faire. Et je déciderai. Donc, je rappelle, soit je fais la quête des masques de Pierre Lune, soit la quête de l'arbre. Soit je continue l'intrigue. Oulala. Faut que je trouve Gemani, Walter. Merde. Salutations. Non. Nergus peut-être. Bonjour. Ça marche, non? Ok, oui. Yannick demande rien. Voilà. Au revoir. Et Walter, merde, il est où, Gemani? Je sais plus où est Gemani. Bonjour. Walter, tu as une tête de merde. Non, dégage, merde, dégage. Ah, non. Merde, où est Gemani? Merde. Au serpent luisant, peut-être. Ah, je sais plus où il est. D'autant que j'ai fait beaucoup de trop d'élips durant cette session. Donc je cherche, hein. Le temps de jeu. C'est pas marqué quelque part. Le corps de Thorin, le frère de Gemini, ils envoient dans je ne sais pas où aller. Je teste le serpent luisant, c'est ça s'appelle? Exact. Réfugié, colère, réfugié, merde. Réfugié, Arben, plein de trucs, machin. Client. Est-ce que je suis allé à l'étage supérieur, moi? Drake. Ouh, il y a un héros qui s'appelle Drake. Je ne sais plus du tout où j'étais. Oui, j'ai fouillé les chambres. Tant mieux. Bon, bah, j'ai pas envie de faire d'ellipse, putain. Je réfléchis.
Bon, si je vais faire une ellipse, je suis désolé. Je vous retrouve dès que j'ai retrouvé Gemani. C'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, Gemani. À tout de suite. Ça y est, je l'ai trouvé! Gemani! Bonjour! Voilà! Voilà, voilà! 100 points d'XP, yes! Bon. Allez. Je garde l'anneau que je vais m'équiper. Ça y est! Alors, pour vous expliquer comment j'ai retrouvé, je me suis pas tapé toutes les vidéos, tous mes épisodes. J'ai cherché sur une Solus en anglais. Et c'était chiant. Donc ce qu'on va faire là, c'est direct là, c'est l'ATP. Mon dieu, mon dieu. Allons voir Dame Aribeth. Bienvenue. Vous avez accompli alors, avec un petit pas vers notre but ultime. Déjà, tu me soignes, tu fermes ta gueule. Tu vas ensuite. Attends, déjà profiter que ça bug. Ce n'est qu'un petit pas vers notre. Vous êtes. Voilà. Vous démontrez que la ruse peut être déjouée par le courage et la compétence. Expliquez ce qui s'est passé. LOL! Level up! D'où j'ai level up? C'est trop bien! Attends, on s'en fout. J'ai level up! On va finir la session sur level up! Là où d'autres ont échoué, vous allez combattre l'épidémie à vider les coffres de Panimer. Je regrette de ne pas pouvoir vous offrir plus de 500 pièces d'or pour tout ce que vous avez accompli. Allez, ça ira. Désirez-vous autre chose? Non. Au revoir. Au revoir. Et attendez, juste. Je crois même avoir entendu les seigneurs Nachère la fredonner dans les couloirs. Naturellement. Je vais en savoir plus sur elle. D'accord. Il existe de nombreuses rumeurs et je n'aimerais pas vous aiguiller sur de fausses pistes. Cependant, la garde a signalé des risques d'émeute dans le quartier. Allez, quartier de Lac Noir. C'est parti. On est go. Le level up. Putain, le level up. Roublard, évidemment. On va. Ah, j'ai 8 points, c'est vrai. Désamorcer des pièges. La discrétion, évidemment. La discrétion. Le savoir aussi. Très important le savoir pour les objets. J'achèterai des trucs aussi vite fait pour elle. Le déplacement silencieux, la maîtrise. Le crochetage. Putain, putain, ça coûte cher. Et le volatil, ça ira. La raillerie, à quoi ça sert, putain? Utiliser pour faire baisser sa garde à l'instant. Non, c'est de la merde. Qu'est-ce que je peux utiliser? Ah, je ne sais pas. Premier secours, discrétion. La concentration, quoi, c'est un jet de concentration sont faits chaque fois que le personnage est distrait en lançant un sort. Ah, d'accord. Ouais, mais j'en ai jamais de sort. Désamorcer les pièges, peut-être. Quoique, non, je suis déjà assez calé. Les pièges sont pas trop durs. Perception auditive. Alors, ça pourrait être intéressant. J'ai quoi d'autre? J'ai la... Ah, la parade! Ah, non. Finalement, je vais plus prendre la parade. Ouais. La parade. Et persuasion. Pff, rien à faire. Ok. Alors, 7 points de vie. Ouh! Dont attaque sournoise 4d6. Plus 4d6. Génial. Je suis rendu à combien? 55 points de vie. T'as les 21 000! Fais voir mon don. C'est quoi don? Maniement des arbres, roublard, attaque sur masse 4d6. Alors attendez, chaque fois que le roublard réussit une attaque contre un exercice prenez pourvu qu'il ne peut pas le voir, qu'il fait de la. Prenez pourvu qu'il est de. Ces dégâts sont de plus 1d6 premier niveau et 1d6 supplémentaire tous les deux niveaux suivants. Waouh. Ces dégâts supplémentaires ne sont pas multipliés en cas de coup critique. Ah, c'est dommage. Utilisation automatique. Le monde est morbidon aux créatures artificielles sont immunisées contre les attaques sournoises. Ah, merde. Tout comme les créatures. Oh, putain. Ah, c'est dommage. La débarde du château Panhiver est en train de composer une chanson à la gloire de vos aventures au cours desquelles vous avez récupéré. Je crois même avoir entendu les seigneurs Nachère la fredonner dans les couloirs. Les gens commencent à entendre parler de vous. C'est cool, je vais acheter des trucs. Déjà, je veux savoir qu'est-ce que c'est ça.
Ah ouais. Ah ouais. Ouais putain, réduction de poids. Vas-y, ça fait quoi? Je crois que ça buguait. Vous ne possédez pas la compétence. Comment? Ah merde, la porte d'armure lourde. En tout cas, je la mettrai quelque part. Mais elle est énorme cette armure. Alors la baguette de longe plume, donc si vous vous souvenez, je l'avais vendue, mais en fait, il y a plein de choses. Délivrance de paralysie, liberté de mouvement et immobilisation de la personne. Je vais le garder, je vais le foutre dans un coffre quelque part. Bon, les clés, les notes chiffonnées, c'est ça, pourquoi ça, franchement, putain. Ah oui, c'était Gulan qui l'avait. Ah, je vais vendre ça. Recette du pot au levain. Je vais la vendre. Piu, piu. Ah, je vais la vendre. Ah, c'est... ça, les comptes de toi. Ça, je vais vendre. Carnet de fou, je garde. Le cimetière. Le cimetière. Alors, attendez. 1 des 8, 1 des 8. Critique x 2. Là, c'est 1 des 6, 18, 20 x 2. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est le meilleur, mais je vais la garder cette arme. On ne sait jamais. Le document officiel en no foot, le fétiche odorant. Quoi ça me sert ça? Ah oui, c'est vrai, c'est pour une quête. Bien, et ben c'est sur ce level up que cette session qui s'est étalée sur plusieurs. Sur 3 jours, oui, officiellement, je l'avoue. Sur 3 jours se termine, merci d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. La session entière, ou bien toute la playlist, je vous en remercie d'être fidèle à cette aventure. N'oubliez pas les likes, les commentaires, de liker chaque vidéo, la playlist, de partager les vidéos de la chaîne. Ça m'aiderait beaucoup, même si je me fous un petit peu d'être connu, mais... voilà, tiens, attendez, qu'est-ce qui clignote? Le journal, ah oui, la quête. Donc du coup, il ne manque presque plus rien. Et n'oubliez pas de voter pour, dans la prochaine session, le masque de Pierre Lune, ou bien le grand arbre à la rescousse des animaux, ou bien alors, on continue la quête principale dans le quartier de Lac Noir. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine sur Neverwinter Night.